Je sais qu'on s'en va dans l'ouest, là. Ça fait maintenant 24 heures qu'on est parti. On est rendu à Thunder Bay. Ouais, Thunder Bay. On a trouvé un peu de civilisation après 800 km. Non, non, 900 km. 900 km de bois. De bois, toute la nuit. L'auto n'a pas voulu pas arrêter encore. Ça marche très bien. Volkswagen. Dans son temps. Les Ontariens, eux autres, ils l'ont, les autoroutes. Oh yeah! C'est long en tabac. Bonjour tout le monde! On est rendu au Manitoba, quasiment à Saskatchewan. On arrive à Regina dans 250 km. On approche du 3000 km. Ouais. Ce matin, petit périple, on a réussi à finir de traverser l'Ontario. Je peux vous dire que c'est long en tabarouette. C'est long en sacrifice. Après 36 heures de route, on va arrêter pour la première fois dans un hôtel, prendre une petite douche, manger un peu, dormir en masse, partir demain. Il va nous rester un 850 km avant d'arriver à la base. On va faire notre première petite ride de bike, on va prendre une petite bière sur la terrasse. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique, les amis. Bon ben bonjour, on est au Best Western à Regina. On vient de passer une nuit de sommeil d'à peu près 8 heures. Là. Marc, ben, il a texté, fait que je sais pas chez quelle heure qui est resté, mais moi, j'ai super bien dormi. Fait que là, un matin, notre plan de match, c'est un petit 900 km pour aller à Banff. On va aller faire du bussic, s'il mouille pas. Parce que sa météo, il annonce un orage pour comme le pays en entier. Ouais. Là, Charlie, il a oublié sa brosse à dents. Fait que c'est normal qu'il se mette un doigt dans la bouche. Bonjour tout le monde, on vient de sortir de Calgary, on aperçoit des montagnes, on regarde ça secret, on monte ça tantôt, ça va long à la fin. On a vu le parc olympique, tombé partout, gros jump, super pipe est encore un petit peu enneigé, je vais pas montrer ça parce qu'on était pas prêt avec la GoPro. Sinon, part de ça. Part de ça, il y a une belle université à Calgary. Université, toute neuve. Ouais, on vient de faire. Officiellement 3903 km. Ouais. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est sur la route. Pas tout à fait encore. On a pris une petite pause entre les deux. Ouais. Il n'y avait pas vraiment le choix avant qu'on meure. Le petit dodo d'hier, là. Ça fait ça bien. Bien. J'ai à peu près 2 minutes sans dormir pour tout le monde, je pense. À part Marc, là, ouais. Tout, là. En tout cas, bref, je pense que vous attendez de voir la vue. Mais on en parlera pas tout de suite. Petit détail. Ce matin, on parlait dans notre petit blog. Là. On disait qu'il allait avoir de la pluie toute la journée. On a eu du beau soleil, comme vous pouvez voir. Ensoleillé. Encore. On s'en va rentrer un petit peu dans les montagnes quand ça va pleuvoir. Ouais, on a oublié de vous parler de ça. On a eu une petite mésaventure tout à l'heure, on l'a pas filmé, on a fait ça vite par exemple. Comme des chefs. Comme des vrais chefs. En fait, là, qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est que Agnès, elle voulait qu'on aille un événement pour améliorer sa vie. Parce qu'elle a dit que sa vie est plate. Fait que, elle a dit ça, genre, je sais pas combien de fois dans le voyage, mais ça la donnait que aujourd'hui était la journée. Ouais. La journée. Hey, on arrive à Canmore, tout le monde. Vous l'avez pas vu, la pancarte, mais nous autres, on l'a vu. Fait que c'est ça. Fait que là, on conduisait sur l'autoroute en Saskatchewan. Ouais. J'ai bien qu'on entende un gros abading abadang. Une vanne qui nous dépassait en même temps. On a pensé que c'était une grosse roche qui nous avait pitché et qui nous avait envolé dans une porte. Ça a cogné fort pour vrai. Là, ça reste de même. Là, on fait, on arrête dessus, on check. On check ça sur le bord de la route, sur le bord de l'autoroute. Tout a l'air beau. Tout a l'air beau. Il n'y a pas rien qui coule en dessous du char. Pas de potes, n'importe. N'importe. Cap de route encore présent. C'est ça, on avait tout. On part là-dessus. Là, on arrive justement, c'est juste avant la pancarte de l'Alberta. On a pris une photo de ça. Clic. C'est ça. La photo, quand on a fait ça, on avait parqué le char. Puis on entendait comme des bruits bizarres un peu au-dessus du char. Comme si c'était un coy qui. Il travaillait dans le métal, c'était bizarre le son. Puis là, on s'est penché en dessous du char pour vrai. On a vu ça, et le coil était défoncé du haut. Là, on a roulé là-dessus un peu jusqu'à quel but? Medicine Hat. Medicine Hat. Ouais. Puis on
on a levé le char, on a enlevé la roue, on a flippé le coil de bord parce que ça marche sur un boat, ça a l'air que c'est fait de la même. Trust us, we are engineers, we yeah. Bon, qu'est-ce qui se passe là, c'est que on vient de commander 5 crises de grosses patates chez La Belle Patate. On a de la sauce hot chicken. On a du fromage frais du Québec. On en a notre frais. Frais de 3 jours, ok. On s'entend là, mais il fait squish squish en tabarouette. Checkez ça, La Belle Patate. On dit salut nos amis La Belle Patate. Eh oui, pour Never! Cheers. 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 Yeah, and the Yeah, buddy! Hey, salut tout le monde! Ah ben. On vient de partir ce matin de Kenmore. Là, on est rendu à peu près à 3h12. On a un petit décalage de 1h. Fait qu'on est techniquement les 4h pour nous autres. Il nous reste 150 km à faire avant de se rendre à Whistler. Ça va être pas mal impatient. On peut voir, la vue est un petit peu quand même incroyable. On se promène pas mal de coups de rythme. Les rues sinueuses. Ça roule bien. Ça en reste pas gros. 150 km, c'est rendu un pet pour nous autres. Bienvenue à notre appartement. Première fois qu'on va rentrer là. Maman est déjà là. On va aller voir ce qui se passe. On commence à amener nos affaires. La porte. Porte 15. Check bien ça. Monte en haut. Poup, 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 poup. Notre table. On boit un peu de bière là-dessus. Notre cuisine. Nice. Ouais. Laveuse, fissure. Nice.
On monte en haut. Deuxième étage. Petite chambre double là. Une autre chambre là. Salle de bain. Oh, nice. On va aller voir notre vie extérieure. Checker bien ça. Ah, salle de bain privée aussi pour l'autre chambre. On va sortir à l'extérieur. Patio. Hot tub. Piscine. Belle vue. La montagne est derrière nous autres. Ça va être malade. Vous en pensez?